gaming. Et je vais tout d'abord le poster sur, sur les réseaux sociaux que je suis parti en stream. Salut, salut, j'espère que vous allez bien parce que je troll un petit peu mes réseaux sociaux. C'est parti, tac. J'ai dit bien évidemment qu'on partait sur le dernier Zelda. Hein. Bien évidemment. Et il y en a qui vont être déçus, mon cher Ouka, mon cher Gaufrette, ceux qui étaient là hier. Car on va recommencer, car malheureusement, hier, j'ai mal sauvegardé le jeu vidéo. Donc c'est pas ouf, ouais, c'est pas ouf. Hop. Go, go, go. C'est parti. Et hop, on est prêt. Donc rebelote, rebelote, et c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti. On continue le let's play sur Zelda. Et on est reparti donc à partir du village où nous avions, où nous étions un petit peu paumés. On est allé voir un petit peu une soluce parce que je me suis posé la question de par où fallait aller. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop, 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 hop. Et voilà. C'est bon, on se remet dans le bain. On y retourne. Alors en fait, on avait eu le marteau dans le dernier dernière grotte que nous avions fait, nous avions exploré. Et en fait, tout simplement, nous n'avions pas fait tous les cailloux magiques. Nous avons oublié de détruire ce caillou-là, qui ce caillou-là servira à, bien évidemment, aller chercher une vie. Non, je déconne. Ici, il y a une petite vie. Et ensuite, il y a le caillou magique. Hop. Et on rentre dans cette grotte. Je rappelle, hein. Mais j'avais raison. J'avais raison, j'ai regardé la solution jusqu'à la fin de cette partie-là. C'est-à-dire que c'est bien la petite fille que nous devons sauver, la grand-mère qui nous demande notre aide pour trouver un remède. Et bah, le remède se trouve finalement dans cette grotte. Easy baby. Celle-là, cela maintenant c'est bon, on a compris. Mais cela, toujours pas trop, hein. Voilà. Et boum. Encore un autre. Ça serait pas le coup de crever. Et bien évidemment, nous utilisons le soin pour régène. Et on est reparti. Et on est reparti. Alors je vais changer le titre du stream puisque j'ai oublié de le faire. Comment on fait de ça? Retro Gaming. Zelda, Aventure, Zelda, Retro Gaming, Zelda 2, toutou. Et on va pas jouer au dernier Zelda comme il est tagué, mais plutôt à Zelda 2, qui est donc The Adventure of Link. Voilà. Hop, c'est là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout est fait. Tout est fait, maintenant on peut jouer jusqu'à 14h, voilà. Et c'est parti. Boum, 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 boum. Allez, on repart. Oh, aller chercher la mana. On sait jamais, ça peut nous servir. Alors, il faut sauter généralement tout le long pour gagner le plus de temps possible. Dans un speedrun, faudrait réussir à passer au-dessus des boules et juste les passer au-dessus des trucs d'ailleurs. Pour la petite feinte, l'abeille on la veut. Eh oui, l'abeille on la veut. Ça nous régène full life. Hein. Et on repart. Et on repart au village. Soignez la petite. Et après, on partira au château. Le fameux château qui a jamais été simple d'ailleurs à faire.
Ça n'a jamais été un des châteaux les plus faciles du jeu. Toujours été un des châteaux les plus durs pour moi. Mais le boss final du jeu reste le truc que je n'ai, je crois, jamais fait quand j'étais petit. C'est ma sœur qui l'avait fait. Mais j'aimerais bien terminer pour une fois ce jeu. Sans tricher, parce qu'à l'époque on trichait un peu avec ma sœur, on avait vie infinie, mais bon. Que t'aies vie infinie ou pas, c'est juste ça te fait gagner du temps. C'est pas énormément cheaté d'avoir vie infinie dans le jeu. Puisque de toute façon, tu as save infini, enfin, tu peux recommencer en boucle le jeu. C'est juste que t'as pas le chemin à te retaper à chaque fois, quoi. C'est ça le petit cheat. Salut, Trengs! T'as vu, regarde, on joue au dernier Zelda. Alors, je trouve quand même qu'ils auraient pu un peu mieux faire au niveau graphisme sur celui-là. Ils sont un peu foutus de notre gueule. Bonjour, Iker, bonjour tout le monde, salut Malioc! Et nous récupérons le pouvoir de fée. Alors, ceux qui étaient là hier savent qu'on l'a déjà fait. Sauf que malheureusement, j'ai raté ma sauvegarde. Donc forcément, en ratant la sauvegarde, on est obligé de se retaper tout. Mais bon, on a XP hier le talent, le skill à l'état pur. Donc normalement, ça devrait mieux se passer cette fois-ci. Et on est parti. On feinte. Ah. Hop. Hop. Easy baby. Hop. Le tout dernier en effet, exactement, Trang. Très très beau graphiquement. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est un open world. Donc vraiment, je trouve qu'ils ont fait un effort là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de sortir un jeu qui n'est pas un open world. Tac. Hashtag pas du tout. Tu vas de nouveau compter les coups d'épée sur les chevaliers. Exactement, oui. Bah il a parce que là, là je n'ai pas l'XP que j'avais hier, donc. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, d'XP. 200, putain. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Puisque nous arrivons à notre petit château des familles. Tuc, tuc, tuc. Tac. Boubou. Mais le château! Bam, pelou, poupou. Poupou, pilou, dou, 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 dou. Et le bruit des ascenseurs, vachement extraordinaire au niveau 8 bits, c'est magnifique. Bah, ils ont donné tout là. Aïe. Et boum. Et non, on cancel. Ce qu'on veut, c'est l'attaque supérieure. Salut toi le squelette, toi t'es facile, toi. T'es facile à avoir. Juste que t'es long à tuer. Voilà. 70, hop. On a déjà fait la moitié du chemin. Parcouru avant les 1500 d'XP. Je rappelle qu'il faut qu'on atteigne 2000 pour avoir le prochain coup d'épée. Pas de la mana, ça fait plaisir. Aïe! Saloperie. Oh non, il est passé! Ah là, on perd des points de vie un peu de manière débile. Ouais, c'est hoche en fait. Comment je vais passer là? Ah, faut que je saute sur celui-là. Putain, on a réussi. Ça, c'était le ski à l'état pur. Boum. On passe au truc suivant. Est-ce qu'on fait le tug? Ah, on aurait pas dû, putain. On a fait le tug. Ouf, ça passe. Il nous faudra un petit peu de mana encore. Allez, il faut pas mourir. C'est pas grave, trois vies. Tant pis. Que voulez-vous? Boum. Le problème, c'est qu'il faut le retuer, quoi.
Parce que le jeu a pas pris en compte qu'on l'avait tué en fait. 988 à... Ah, boum. Oh 200. Un petit 200, ça m'irait bien. Ça m'irait bien. 50. Va te faire foutre. Pardon. On se calme. Ah, les chevaliers. Nos potes. Allez. Aïe. Aïe. Aïe, là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon. On va se mettre là. Hop, vite. Ouais, ça va être compliqué. On va détruire le truc, là. On va péter ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, allons le chevalier. Aïe. Ah, ça va pas, les chevaliers, on a perdu la technique. Ouais. Il va me sauter dessus, le bousin. Boum. Pas notre chevalier en bas? Non. Faisons-nous un passage. Je connais un passage. Oh le con, putain. C'est relou. Voilà. Ah oui, là. Hop, on fait comme ça. Un saut de 3 blocs, je pense qu'on est obligé d'utiliser ce pouvoir. Ouais. Bon. C'est parti. Attention, les yeux magiques. Les yeux magiques qui mènent un chevalier, bien sûr. Encore un. En même temps... Ils le disent, hein, ça va être un... Bon, il se crame pas les pieds, lui, il a des bonnes chaussures. Hein. Ça va, il est gentil avec nous, l'œil. Il n'en met pas en dessous de nous. Il a été gentil avec nous, le chevalier, là. Ça passe. Et une autre clé magique. Voilà, on a... Par contre, on n'a plus beaucoup de PV, donc ça va être compliqué à la suite. Là. Oh. De la mana. Oh non. Encore le Zelda, et oui, et puis la sauvegarde a foiré, mon cher Ouga. Donc on est obligé de... Bon, on a bientôt rattrapé. T'étais pas là avant, donc ça va. T'inquiète. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Regarde l'XP qu'on a, 1405. C'est bien parti pour avoir les 2000. Le coup d'épée qu'on a eu en plus hier. Ah. Faut plus se faire toucher. Tu vas crever, tu vas crever. Tu vas crever, tu vas crever, tu vas crever. Hop. Salut Luca. Allez. Boum. De l'XP, 200, boum, qu'est-ce que tu vas faire? On peut monter les PV, mais on veut monter à 2000, vous le savez bien. Allez, crève, charogne de chevalier! Relou, relou, relou! Ouais, 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 qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Et boum. Nous avons une clé au bout de ce tunnel, là. Enfin, même pas au bout de ce tunnel. Oh non, Iker, c'est quoi ce bordel? Laissez-moi passer! Bon, c'est long des deux côtés, on le sait, donc... C'est relou ce passage quand même. Hein. C'est qu'une question de patience, y a rien de difficile. Hein. Oh non. Là ça se complique. En fait, faut le. Putain. C'est à péter un câble. On va pas avancer.
si ça le fait à l'infini à gauche, on est mal couché. Hein. Oh, ça le fait à l'infini à gauche. Oh putain. Non, ils veulent vraiment que je perde là. Ils veulent vraiment que je sois obligé de Non, mais c'est pas possible. Non, laissez-moi tranquille. C'est impossible à gérer, mais laissez-moi, putain de merde. Mais c'est pas possible, putain de merde. Oh là 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 là, oh là là, le jeu, putain, il a failli me faire rage kick, hein. C'est pas possible ça, se foutre autant de la gueule du streamer, quoi. C'est pas permis. Oh, je vais crever. Hein. Faut dire qu'on est à la moitié du... On est au début encore. Ah mais c'est qu'il y en a tellement. Oh, il y en a tellement que je ne pouvais pas. C'était une blague? C'est bon, on a la clé? Oh, le foutage de gueule, quoi. Le gros foutage de gueule. Jamais vu ça, quoi. Il y en avait tellement que je pouvais plus me baisser pour les tuer. Putain. Il me reste plus qu'une vie. Il faut faire encore 200 d'XP. Largement faisable. Allez, on va prendre ça. Et les gars, c'est bon. Déjà, si on crève après ça, c'est pas trop grave. Yes! Yes! On a le coup des plaies supplémentaires. On va tuer les chevaliers en moins de 50 milliards de coups. Je sais plus si c'est par là qu'il faut aller ou si c'est de l'autre côté. On va tenter par là. De toute façon, parce que je veux dire de l'autre côté, je parle dans l'autre côté du château où il y a la clé. Parce que là, on va juste tuer des chevaliers pour avoir de l'XP. Et boum, 3 coups maintenant, easy baby. Non mais cette fois-ci les gars, on est quand même beaucoup plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 10h. C'est pas mal, couché à 2h30, levé 10h. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. On va aller tuer le bleu d'abord. Alors les bleus tirent des épées bien sûr. Mais sont aussi, faut les taper plus. C'est bon. C'est bon. Ah, il a tourné. Ah, il faut mourir à un moment donné, hein. Oui, c'est bien. C'est bien, mon petit chevalier bleu. Par contre, ne donne surtout pas de mana rouge. On n'en a pas besoin du tout. Allez, toujours pas de mana rouge. Foutage de gueule inside. Alors, est-ce que c'est le boss par là? Je crois que oui. Je crois que oui, c'est pas par là. Allez, go. Mais non, pas de craquage complet. Ah, j'ai promené Kiba là, il était trop content. J'ai fait une vidéo trop sympa. Kiba qui je lui lance un bâton. Il va jusqu'au bâton, il le ramène bas. Je reprends le bâton, je le balance. Il prend le bâton, il se met à courir, il passe devant moi et puis continue. Ah, mon chien est débile là. Et puis j'ai envoyé la vidéo à July, lui qui est actuellement en train de d'avoir son deuxième cours à sa nouvelle école. École de dessin pour les jeux vidéo. De concept art, voilà, tout ce que vous voulez. Hop, de la mana. Je vais te tuer parce que j'ai besoin de mana. Mais la clé, je prends la clé d'abord. La clé, la clé, la clé, la clé. Prends la clé, là, vas-y, 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 sors, sors, sors. Voilà. Voilà. Hop. Du, 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 du.
Allez, lâche ma jambe là, voilà. Il faut mourir, hein. Oui, toujours pas d'XP, hein, mais va te faire foutre, hein, le jeu. Hein. Enfin, toujours pas de potion rouge. Putain, il en tête. Oh, oh, c'était dur, il faisait bas, gauche, bas, en bas, en haut. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On était pas loin du radeau, c'est dommage. D'ailleurs, je me suis demandé dans un speedrun et 10%, en fait, on va chercher les reliques de chaque château, mais on ne va pas tuer le boss. Donc ça m'irait bien un speedrun de Zelda 2. Il faut trouver le meilleur chemin. Bon, après, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Ça reste mon jeu préféré, donc on pourrait s'y essayer. Mort de rire, j'avais un pote, son chien, tu lui lançais un bâton, il s'en battait les couilles complets, par contre, lui lançait un caillou et une fusée. Lol. Ah, on n'a pas eu le temps d'aller dans la zone safe. Dur. Oh putain, on les tue en un coup! On les tue en un coup! Bon, ça reste toujours relou, mais on les tue quand même en un coup, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et boum. Avais-tu vu Fort Boyard récent, Iker? Et que penses-tu de Mister Boo? Non, je n'ai pas vu de Fort Boyard récemment. Enfin, si vite fait, je crois, un épisode. Mais ouais, je regardais quand j'étais petit, quoi. Mais maintenant, plus trop, quoi. Hop. Ça passe trois fois. Ça passe. Oh putain, la oh, le dodge qui passe pas. Le dodge qui passe pas. On y a cru. Bon, on va ramasser ça. C'est 50. Oh l'enfoiré. Bon, ça fait 80 le monstre. C'est quand même pas mal. Je chante jusque là, quoi. Bref, je m'arrête. Parce que bon, c'est la musique en boucle tout le temps. Bienvenue dans les jeux de NES. Et boum, sans... En plus. Alors faut tout retuer puisque nous avons... Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule là. Fous-toi de ma gueule. Vas-y, vas-y. Boum. Bon, ça c'est la zone relou. Parce qu'il y a les monstres du premier château. Qui donnent pas d'XP. Qui sont relous à tuer. On peut passer par-dessus, mais bien évidemment, dans le troisième château, ils ont fait que... Voilà. Boum. Vas-y, baby. Thug Life Forever. Et là, faut faire. Boum. Lunettes de soleil. Tac. Voilà. On va attendre. Hein. On va faire comme Charles. Charles attend. Oui. Ah, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Humoriste. Professionnel. Et ça passe, ça. Ouais, ça passe. Ah, de la mana. Mais c'est une mana bleue, bien sûr. Ça suffit pas pour se soigner. Ça suffit pas pour se soigner. Aïe. Fallait pas que je sorte du trou, en fait. Déjà perdu de vie. Je vais essayer de le tuer à la normale. Ouais, c'est plus dur, hein. C'est pas si simple que ça de le tuer à la normale. Ouais, c'est pas si simple que ça. Je m'étais dit, l'attaque en haut, ça me fait perdre un petit peu de vie. Mais c'est plus safe, hein. Même si je perds un ou deux carreaux, c'est peut-être moins que si... Ah, ça va être le run nul là. Là, on est parti. Ça va être le run nul. Ça va être le run où on va pas avancer d'un centimètre. On va même aller moins loin que dans le run d'avant. Allez, de la patience, Pierre. Pourquoi je me suis baissé? Putain, on les tue vite pourtant, hein.
Je voulais essayer de le tuer. Pas réussi. Faut sauter au dernier carreau. Non, faut sauter à l'avant-dernier carreau. Ouais. Oh, tu fous de ma gueule le jeu. Ah, de la mana, c'est cool, mais c'est un... C'est un petit de mana, donc c'est pas ouf. Oh putain. On va arrêter de tuer les trucs, puis on va avancer. Même si ça serait bien d'atteindre le 700, ça serait bien d'atteindre le 700 en fait. Je crois que c'est par là. Hein. Hop, salut, adieu, à la prochaine. Donc on va te tuer toi parce qu'il faut atteindre les 700. Bon après de toute façon on atteindra les 700 quand même. Mais il lui faut que 3 coups donc... En étant un poil focus, ça devrait aller. Ouais, de la mana! Yes! Pile quand on demande autre chose et de l'XP plutôt. Voilà. Mais ta gueule, Ganon, ta gueule. Déjà, t'es moche. Hein, de une, et puis de deux, t'as un rire de merde. Donc voilà. Arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Putain, Zelda, tu peux pas te réveiller, bordel de merde. Tu arrêtes de me casser les couilles. Je sais que j'ai pas fait la vaisselle hier. Mais réveille-toi, Zelda, réveille-toi. Putain, que me fait chier, là. Ça fait 20 heures de jeu, là. 20 heures de jeu, au moins. Putain. Foutage de gueule, Zelda. Je ferai la vaisselle demain, putain. Là, je suis obligé de partir à l'aventure. Et chiant, hein. Les femmes, putain. Les femmes, les femmes. Je sais plus ce que c'était, ça veut maintenant que les hommes fassent la vaisselle. Zelda et Link est donc niqué. Non mais on les tue vraiment à un coup maintenant. Oh putain. Oh mais je vais rester là pour farmer. Non je déconne. On va se mettre là comme ça. Hop, on va brain le jeu. Et ensuite on descend. Ouais, allez go. Allez go, smogogo, c'est parti. Aïe. Ah là 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 là. Oh, tu as deux coups maintenant, c'est n'importe quoi. Mais on a perdu déjà la moitié des PV. Il nous faudrait une petite fée là. Oui, ça passe trois fois. Oh, waouh, le one shot. Merde. Il a plus d'allonge que moi, il a de plus grands bras. Focus! 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 Ça, on n'est pas focus du tout là. C'était ridicule. Non mais c'est pas possible. Iker! Tu crèves contre le boss, le monstre le plus facile du jeu. Non, j'exagère parce qu'il saute donc encore il est pas si simple que ça. Oh, laissez-moi tranquille vous. Hein. Ah, je m'en fous. Tug life! En bas les steaks, allez. Oh, il a bugué. Oh, on était trop rapide pour le jeu. Voilà, c'est ça. Trop rapide aussi, là encore. Trop rapide, trop rapide, trop rapide, trop rapide pour le jeu. Qu'est-ce que tu vas faire? Aïe. Aïe. Boum. La mana peut-être, quelque chose, un truc, putain. Oh, foutage de gueule. Ah, oh, puis non, et puis toi tu me saoules, je vais te tuer. Voilà. Ça va m'entraîner pour le boss final. On va se prendre un coup d'épée. Voilà, ça passe.
Intérêt à mettre le coup d'épée vers le bas, sinon on était mort. Boum, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien. C'est par là. Ça, il peut pas nous atteindre. Bon, apparemment, si. Ouais, je voulais les 5 XP. Aïe. C'était un peu con. Boum. Eh oh! Il nous faut le dernier coup. Voilà. Il peut réussir le saut. Ah, encore une nouvelle fois, c'est raté. Bon, tout à l'heure, on a raté un saut aussi, donc on va arrêter de se foutre de la gueule des mobs. On va arrêter de reculer parce que je crois qu'il y a un autre chevalier après. Voilà, de l'XP. Yes. Yeah, papa. Et maintenant, le chevalier bleu. Ça va, t'en as pas marre de lancer des trucs? Putain. Ça va, c'est pas vrai le... Ah, pire. J'ai la clé, je crois, de toute façon. Je peux avancer. C'est bien évident, si vous avez pas la clé, vous pouvez pas le tuer parce que vous faites reculer trop loin après. Et tu lui dis, c'est à moi que tu vas, à moi. Allez, tu viens. Oh putain, il a refait son combo go. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas, en haut, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut. Allez, faut crever, hein, après, faut arrêter. En bas, en haut. Calme-toi. Calme-toi, Mimimati, calme-toi. Voilà, hop, merci. Le radeau! Enfin, la boute, le radeau qui ressemble à... au bâton que j'ai lancé à Kiba tout à l'heure en allant me promener. Bon, ça fait radeau, hein, mais tout le monde, mais bien évidemment, dans le monde d'Hyrule, on est capable de miniaturiser les trucs. On connaît la technologie nano. Donc on miniature les trucs, on le met dans un micro-ondes, et puis ça devient plus gros. Hashtag retour vers le futur. Voilà. Hop. On rate pas un saut, ça serait dommage quand même. Et nous allons pouvoir partir au boss, là où nous étions rendus hier. Ah, ah, ah. Nous avons rattrapé en environ une demi-heure le retard pris, voilà, ouais bien, fous-toi de ma gueule, il y en a un à gauche, un en bas, voilà, dodge, qu'est-ce que tu vas faire, voilà, dodge encore, non mais trop facile ce jeu, oh putain, le deuxième monstre qu'on croise dans le jeu, non, le premier monstre qu'on croise dans le jeu qui vient de me toucher, allez Iker, allez, voilà. Voilà, trop facile. C'est par là. C'est par là. Hashtag on se soigne. Allez, voilà, facile. Ensuite, le prochain, c'est toi. Aïe. Ah mais fous-toi pas de ma gueule, ne va pas là. Non mais on va perdre. Une vie. Ça va être dur le boss avec une vie. Et encore, faut-il qu'on arrive à tuer ce truc hein, sans trop perdre de PV. Là, le but c'est de le tuer. Mais le problème, c'est relou. C'est qu'ils l'ont mis collé au machin. Et là, il y a un truc. Bon, allez, hein. Fuck. On a déjà pas mal de trucs encore à buter. Le chevalier bleu, le chevalier rouge. Et là, il faut pas perdre de PV. Donc. On l'a pas encore touché une fois, mais j'essaye de jouer safe. J'essaye de pas grid. Parce que le grid, je connais pas trop sur Smite, mais... Putain, la technique au bas, au là. Oh là 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 là, c'était dur, là. Je crève sur un pattern facile. Oh putain. Il a fait 2 en haut, 2 en bas, 3 en haut. Ah, c'est dur, hein. Oh putain, je me suis baissé. Zelda, réveille-toi, s'il te plaît. Arrête de te foutre de ma gueule. Merci. On sait bien parce que c'est elle, hein, vraiment.
Sinon, je le ferai pas. Boum. Allez, allez, go. Go, go, go. C'est bon, on est dans une autre safe. On y croit. Oh non. Bon, après, on les nique. On les nique maintenant, ces trucs-là. Yes, ça passe. Et boum. Hop. Transformation fait. Ah, de la mana. On prend. Oh. Tac, voilà, même pas besoin de se concentrer du tout. Voilà, c'était facile. Et on arrive au château. Vous êtes prêts? Pas prêts. Et boum. Doum 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 bidou bida. Iker va-t-il y arriver là pour la centième fois? Où il va encore crever comme une grosse merde? C'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde se la pose cette question. Non, c'est là en fait. Tout le monde se la pose cette question. Loulouloulou. Aïe, oh putain. Ça passe. Je vais bientôt pouvoir speedrun ce donjon. Bon, on a perdu des PV, mais bon. Bam. Ça passe, ça passe. Ah, ça c'est cool. Et boum, on s'est pas fait toucher. Ah. Bon, les chevaliers rouges, ils sont faciles. Donc, faisons les chevaliers rouges. Et ils donnent beaucoup d'XP. Bon, ils sont faciles, mais bon, pas se faire toucher deux fois. Faut se faire toucher une fois, Iker. Sinon, c'est pas rentable. Oh. Trop fort. Salut Totali Osmose. Imaginez le mec, il est à 2 heures de jeu, il fait son speedrun 100% et tout, et puis il rate ce saut. Et il fait, oh non, il faut tout que je recommence. C'est toute la difficulté des speedruns sur ce genre de jeu. Et encore, je vais vous montrer un truc. Il y a un truc intéressant. C'est que vous avez le saut qui est parfait. Et vous avez le saut où voilà, vous vous butez un petit peu. Et donc, un speedrunner, il doit faire le saut où il ne se fait, où il se fait pas buter le pied. Voilà, là je perds un petit peu de temps. Mais si je fais comme ça. Ouais, je perds encore un petit peu de temps, donc faut sauter après. Je perds encore un petit peu de temps. Putain, mais il y a un saut où on perd pas de temps, j'ai rêvé ou quoi? Ouais, celui-là. Vous voyez la différence? Et le mec, si le mec fait des sauts parfaits, bah il gagne 0,1 centième sur le nôtre, mais bah il est pas champion, quoi. Hein, voilà. C'est ouf, hein. C'est ouf quand on se dit qu'un speedrun, c'est ça, quoi. C'est de même réussir ce genre de saut parfaitement. Tout le temps, pendant tout le jeu. Et il y en a pas qu'un. Hein. Parce que si tu te fais chier à détruire la plateforme pour en avoir que deux pour sauter, tu perds trop de temps. L'optimisation. Aïe. De la mana, s'il te plaît. Arrête de te foutre de ma gueule. Oh là là. Allez, go. Le squelette. De la mana. Oh, de l'XP. C'est pas mal aussi, c'est 200. Mais le problème, c'est qu'on risque de... Oh, oh, oh.
Je me suis servi du framerate parce que j'ai un moment j'ai traversé le perso quand même. Hein. En fait, quand on les tape, on peut pas se faire toucher par eux aussi. Pardon. Quoi? Hop, 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 hop. Hop, hop. Allez, il nous reste deux barres de vie. C'est dommage, il aurait fallu le tuer, quoi. Faut mourir à un moment donné, hein. Putain, c'est moi qui ai crevé. Encore combien de coups là? Un seul normalement. Oh, il va être encore en vie parce que je l'ai tué juste avant de crever, donc il va être encore là. Aïe 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 aïe, la poisse, il est encore là et bien évidemment il est full life lui. Ah, putain, c'est pas possible, j'en peux plus de tuer ces trucs là, ils sont relous, il faut reculer en plus à chaque fois que je tape mon bouclier. S'il lance pas des épées parce que je tape comme un con dans son bouclier, quand je regarde. Le bleu, je parle. De la vie, de la mana, quelque chose, s'il te plaît. On arrive au boss, mais on est à une vie. On est au boss, les gars, on est au boss. Mais on a une vie. Et on est même pas full life. C'est parti. Alors on se dit, putain, mais y a pas de boss. Ah si, il arrive. Il est là. Allez, on va essayer de le faire de la manière patiente, c'est-à-dire de ne pas essayer de le toucher deux fois par rush, mais de t'essayer de le toucher qu'une seule fois par rush. Parce que tu peux essayer de l'avoir, il faut essayer de le taper au niveau de la tête, si tu tapes au niveau du cheval, il est coriace. C'est-à-dire qu'il a un casque, sur le cheval il est en béton, alors au-dessus du chevalier c'est de la merde. Hein. Chercher l'erreur. Bah c'est parce que à l'époque il y avait la SPA, fallait défendre les... Dans Hyrule il faut défendre les animaux, les humains... Hein. Hop. Raté. Ça paraît facile, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. Deuxième partie. Faut le tuer. Comme si c'était un chevalier bleu. Sauf que c'est un chevalier bleu encore plus relou. Il a une deuxième barre de vie. Et puis il s'arrête jamais de lancer des épées. Hein. Ça va être dur. Concentration optimale, il faut pas se rater. Est-ce que je pourrais te toucher une fois au moins? Vas-y, laisse-moi un faux espoir, quelque chose. On va toucher une fois. Il nous faudrait les 3 vies pour réussir. Et encore, à chaque fois, il revient full life, donc il faut le retuer. Hein. Donc c'est relou. C'est relou, vous avez compris. C'est relou, c'est relou. Je pense pas que les boss du nouveau Zelda soient aussi durs. Bon, il y a peut-être le dernier qui est dur, mais... Boum. Dirty. Et boum, zot safe, on t'a eu. Ah, ah, ah. Allez, fonce jusqu'au... Ici, hop. Tu sors, hop, et tu descends. Et t'es sûr de pas te prendre de... Là, c'est le speedrun, là. On peut pas faire mieux, je pense. C'est toutes les 10 dernières secondes, là, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Bon, je pense que là, un speedrunner, il saute avant, il se transforme en abeille, tac. Hey, parce que le fait de sauter, tu gagnes un petit peu de temps. Mais je pense qu'il évite les monstres, en fait, il les tue pas. Ouais, là, je perds du temps. Ouais, là, j'ai perdu du temps encore. Bon, je m'en bats les steaks, j'essaye de speedrun, mais ça marche pas. Ah, lolololololol. Ah, il y a un coup qui n'a pas passé. Il n'a pas passé. Le spear, tu ne peux pas le toucher à la tête en sautant, non. Non, non, tu peux pas faire ça. Hein. Ça, c'est... je crois pas. Je pense pas.
qu'il faut passer à travers son bouclier. En fait, ce qui est bizarre avec le chevalier bleu, c'est que, enfin, ce boss là, c'est que tu dois le taper à la tête quand il est à cheval. Mais dès qu'il est peu à terre, tu peux plus le taper à la tête. Aïe 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 aïe, on est mal barré. Il nous faut de la mana, s'il te plaît. Bon, il nous faut de la mana là, s'il vous plaît, un petit truc, il nous faut de la mana. Alors ça on en donne pas. Ça peut en donner. Bon, il va rester coincé, donc c'est bon. De la mana, s'il vous plaît. Mourir là-dessus. Plus que de vie. Ça va être très très dur, le chevalier. Mettre le chevalier, ce qu'il faudrait, c'est arriver devant le boss et avoir 3 vies. Ensuite, sauvegarder comme un porc et tricher en fait. Hein. Et quand tu meurs, tu recommences et t'as 3 vies de nouveau devant le chevalier. Bon, arriver devant le chevalier avec 3 PV, avec 3 vies, ça va pas être facile déjà. Allez, allez, allez. On y croit bien sûr, on va finir par y arriver. Oh, voilà, trop rapide. Trop rapide. Boum. Boum. De la mana? Non, toujours pas. T'as de la mana rouge, ils en ont pas donné depuis que j'ai recommencé, non? Si, une fois. Une fois quand j'en avais pas besoin. On va le tuer, lui, parce que il me faut de la mana. On les tue quand même relativement vite. De l'XP, ça, de la mana, c'est pas mal, mais c'est tellement peu de mana que c'est bon, c'est mieux que rien. On va aller tuer le chevalier. Ça nous entraîne contre le chevalier bleu, même si les chevaliers rouges sont beaucoup plus simples. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi le château est rouge pour nous faire battre un chevalier bleu quand même. Hein. Le jeu se fout de notre gueule quand même un peu. Que je peux repasser, oui, je peux repasser. Boum. Allez. Boum. Là aussi, faut. Je sais pas ce que ferait un speedrunner ici. Il essaierait de les sauter. De les tuer. Il essaierait de sauter, je pense. Non, de prendre dans le bouclier et de sauter par-dessus. Oh! Quand on dit qu'on veut de la mana, on nous en donne de la mana rouge. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous avez vu comment j'ai optimisé? En fait, faut prendre le truc, ensuite aller dans le menu, se soigner, parce que ça donne tellement de mana. Faut faire comme ça, sinon en fait on perd la moitié de la potion. Quoi. Donc, vu que à quel point ils peuvent en donner, hop hop, bah merde, c'est vrai qu'on peut pas le bloquer ce machin. Notre bouclier, c'est un peu de la merde. Hein. Des fois, il part les trucs, des fois, il s'en bat les steaks. Hein. Alors, vous noterez que c'est un Zelda où on a directement le bouclier, l'épée, tout ça. Alors qu'il y a beaucoup de Zelda où il faut aller chercher les trucs, mais c'est par extension du premier Zelda où tu fais ça en fait. Donc c'est Zelda 2, hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des suites de Zelda autres que celui-là, en fait? Des vraies suites, c'est-à-dire c'est le même personnage, c'est la même histoire. Bon, c'est pas le même jeu graphiquement, mais sinon c'est la même histoire, quoi. Allez, plus qu'un chevalier. Ah non, il reste un cheval. Non, je sais plus s'il reste un chevalier bleu après ça. Bon, après, à part le boss qui est un chevalier bleu de toute façon. On a 2 vies, c'est déjà pas mal. C'est parti les gars. Croyez en moi. Bon, t'arrives sur la droite, on le sait, arrête de tout de ma gueule. T'as vu, des fois le jeu il bug, il le met des deux côtés. Le mec il est cheaté quoi. Vous avez compris, faut retirer la moitié de ses PV et ensuite il descend. Et même si tu le tapes 3-4 fois
par run, ça le fait pas plus bas quand il descend du cheval. Donc vaut mieux jouer safe sur les premiers coups. Là, je le vois pas pendant un court moment, voilà. C'est bon, là, on le voit bien, il est bien affiché, on voit qu'il attaque en haut, en bas. Allez, on se concentre sur son épée, bien sûr. Touché une fois! Une touche, les gars! Une touche! Les screamers de génie! Iker sur la Orcs TV. Non mais c'est bon, on sort pas de l'écran, fous-toi pas de ma gueule non plus. Oh putain. On s'est éloigné de lui un moment, fallait pas. Oh, j'ai pas vu l'épée. On a touché deux fois! Yo Iker, salut Majak. Ou MJK pour... MJK, vous faites confiance que ça veut dire aussi Majak, c'est la diminutive de Majak, c'est pour ça que je l'appelle tout le temps Majak. Attention! Oui, ça touche! Majak, il doit connaître ce jeu. C'est le DLC de... Le DLC Fury? Non, c'est le DLC du nouveau Zelda, là, il sera comme ça. Ils ont essayé de revenir un petit peu aux sources. Sur un des Zelda les plus critiqués. Voilà, ils ont dit voilà. Non, on peut pas taper le casque. Au moins, on a l'info, Totally. Allez, c'est bon, calme-toi. Laisse-moi te toucher un peu. Aïe, c'est dur. Oh là là là. Que c'est dur. Que, mais t'arrêtes de te foutre de ma gueule quand même, s'il te plaît. Alors, on pourrait utiliser le pouvoir magique bouclier. Qui coûte pas très cher, qui fait qu'on tank un peu plus. Ensuite, on pourrait utiliser le soin. Voilà, et on pourra plus rien utiliser du match. Mais arrête de te foutre de ma gueule à sortir d'écran comme ça. Mais c'est bon, reviens. Mais t'as pas le droit de partir. Mais non, le jeu est buggé ou quoi là? S'il te plaît, ça m'a jamais fait ça quand j'étais petit là. Tu le vois pas le mec, il te tire des trucs, tu les vois pas. Non, mais c'est pas possible ça, c'est cheaté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Le jeu est buggé. S'il vous plaît, Nintendo, débuguez votre jeu. Je peux pas finir le boss, là. Putain, mais s'il vous plaît, Nintendo. Oh là 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 là. Oh là là, c'est dur, hein. C'est dur. On va passer 30 ans à faire comme ça. Mais viens, s'il te plaît. Est-ce qu'il est fini par venir à côté de moi? Non. En fait, il garde tout le temps la distance avec moi. Mais reviens, voilà, une touche. En bas, en haut, en bas, en haut. Raté. En haut. Allez, on va t'avoir à force. En haut, en bas. Oh, c'est dur. Hein. Oh là là, c'est trop dur. J'ai pas encore buté le bot du DLC en difficulté max, il me met en PLS. D'accord. D'accord, je connais pas Fury. Ah, j'ai du potentiel, oui, mais ça suffit pas pour tuer ce fameux boss, ça. Le boss du troisième château. On y retourne. Le but, ça va être d'arriver au château sans perdre de vie, et après, on va faire ce qu'on appelle un cheat. On va sauvegarder devant le boss, comme ça, on fera que le boss. On continue, on finira par le passer. Allez go, ça passe, on va là, tac, hop, on va là. Hop. Tac. Bah, ça serait la première fois qu'on utiliserait cette technique, Majak. Ça serait la première fois, on est quand même au troisième château, on a fait une bonne partie du jeu. De la mana, on prend. Hop, le coup de bouclier. Salut. Allez, le château, le palais. Le château, hein, c'est un palais. Hein. Les châteaux, c'est dans Mario, mais. Aïe, pardon. Aïe, oh lolo. Perdre des PV là-dessus, c'est quand même un peu con. Iker, s'il te plaît, merci. Ah bah oui, là on s'est fait jambon par le jeu aussi. Tac. D'ailleurs, on y est. Enfin, on est pas encore au boss, mais. Faut pas perdre de vie. Donc faut avancer. Boum, boubou bidoum, pam pidou, pam pidou. Oh, j'avais sauté là, c'est pas vrai. Voilà.
Boum. Et on repart. On passe au-dessus là. Oh merde. Oh de la mana, on a bien fait. On a bien fait de le tuer. Sauf que est-ce que je vais pouvoir aller la chercher à un moment donné? Oui. Attention, on va se faire jambon là par le truc bleu là. Oh putain, le saut magique. Hop. C'est parti. Go go go. Des meilleures animations que Mass Effect Andromeda, exactement. July qui va jouer à Mass Effect Andromeda. Moi, j'ai jamais joué à Mass Effect de ma vie, donc ça... je préfère rester sur mon Zelda 2. Voilà. Bon, les jeux trop beaux, je peux pas les jouer. Je peux pas y jouer. Ça me, je suis trop ébloui par les graphismes. Merde. Et qu'on te crever là-dessus. Le but c'est d'arriver à 3 vies au boss quand même. Mais j'aimerais bien te tuer quand même. Donc c'est galère. J'aimerais bien avoir l'XP 1200, ça permettrait d'augmenter les PV justement. On va te tuer toi parce que c'est quand même plus facile que les autres, le chevalier bleu donc du boss. Oh là 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 là, faut pas se faire toucher une autre fois. Hein. Oh, il me faudrait de la mana. Merci, descends. Merde. Raté. Oui, stressant le truc. Ça me stresse moi ces bidules parce que ça saute pas, ça saute, ça saute pas. Ah, raté. Faut sauter maintenant. Non, faut sauter maintenant. Maintenant, non, là on a sauté trop tôt. Ah bah oui, on va réussir à crever sur cette bestiole. On va aller tuer le chevalier ici en espérant dropper de la mana bien sûr, de la mana rouge, ça serait parfait. T'es un chevalier rouge, tu vas me donner de la mana rouge, ça serait logique. Non, non, non. Alors, on va devoir passer par là. Voilà, pour passer par là. Raté. J'avais pas dit que j'arrive sur le boss full vie. J'ai dit j'arrive sur le boss avec 3 vies. Et c'est différent, Majak. C'est différent. C'est différent. Faut pas mentir, c'est ce que je dis. Voilà. Bip, 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 qui veut dire tu vas crever, tu vas crever, tu vas crever. Et ça passe pas, et ça passe pas, on a 2 vies. Ah là 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 là. Que c'est dur. Oui. Bon, là, on se fait plus toucher jusqu'au boss. C'est parti. C'est le challenge accepted. Bon, si j'arrive à sauter à un moment donné. Hein. Non, mais normalement, je saute là, c'est bon, hein. Arrête de toute de ma gueule le jeu. Non mais arrête de toute de ma gueule, j'avais pas assez de hauteur. Ouais, j'avais pas assez de speed. Enfin, normalement c'est entre le deuxième et le troisième bloc, tu sautes, t'es obligé de passer. Là, tu dois sauter ici ou ici, ça passe normalement. Non, j'ai bien compris le pattern, voilà. Là, du côté, t'as 2 vies, le quota n'est pas rempli. Ah bah on s'est fait toucher, c'est ballot. Ah non mais c'est super dur ce genre de jeu. Je me demande s'il existe un... Non je pense que c'est impossible. Il n'existe aucun speedrun de jeu sans être touché. C'est impossible. Impossible. Je pense pas. J'ai regardé un speedrun l'autre jour, le mec s'est fait toucher. Plusieurs fois d'ailleurs. Merde. Ah mais c'est pas juste, regardez le chat. Oh là là. Dégueulasse, le chevalier il est pas fair play quoi. Tu l'as foutu où ta charte, voilà. La charte des chevaliers. T'en as pas marre de toute de ma gueule. Voilà. Ah, c'est ce qu'on voulait tout à l'heure, putain de jeu de merde. Voilà, c'est ce qu'on voulait tout à l'heure, ça. On est full vie. Ah, mais le but, c'est d'être full vie. Ah hein. Oh là là, chier. Avec 2 vies, ça serait bien. On va pas le tuer, le truc. En fait, on va jouer malin aussi, hein. On va jouer malin, on va arrêter de faire les cons. Voilà, on va brain le jeu. Ouais, je peux pas. Non, laisse. Lâche-moi le chevalier bleu. Lâche-moi. J'ai pas envie de te tuer. Encore une touche pour le chevalier rouge.
Bah, c'était rentable, hein. C'était rentable de pas tuer le chevalier bleu, hein. Putain, Iker et les idées de merde. Vraiment, Iker et les idées de merde. Mais on va le retenter quand même, hein. Quitte à crever, on a une vie de toute façon. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire tout à l'heure, putain. Allez boum, on est au boss, c'est déjà ça. Après, on est full vie, on devrait peut-être sauvegarder. Hein. Parce que finalement, 3 vies ou une vie, c'est pareil. On sauvegarde. C'est pas ça. Si, c'est ça, je crois. Je sais pas. Allez, bon, c'est pas grave. On sauvegarde pas. Raté. En fait, j'ai fait ça pour pouvoir le toucher là, en fait. Ouais. Bon, je me suis fait toucher, c'est un peu con, mais c'est... En fait, j'ai remarqué que quand je me mettais là... Merde, raté. Faut encore le toucher une fois. Non! Oh, la connerie. Oh, si je me fais... Ah, là, je vois pas les... Bon, non, au moment où il descend de cheval, il y a un bug sur la... Sur la ROM. Et que je le vois pas. Calme-toi. J'aurais dû faire ça au début en fait. J'aurais dû faire ça au début parce que ça te fait tanker plus. Oh putain. Attends, ça reste super dur, surtout s'il sort de l'écran. Hein. Oh, mais le jeu est bugué, c'est pas possible. Imaginez un jeu aujourd'hui où le boss sortirait de l'écran et dirait va te faire foutre, tu peux pas me toucher, tu peux pas me toucher, tu peux pas me toucher. Putain, c'est ouf quoi. Ah, j'ai touché une fois. Oh putain, oh putain. Putain! Allez, on arrive jusqu'au boss. Mais je sais pas, je sais même plus comment on sauvegarde. Donc on est mal barré parce qu'il faudrait que je sauvegarde quand même. Après cette session. Parce que le troisième château, je commence à peu en avoir. Un peu en avoir Ralcu. C'est le château supérieur à Iker. Ah bah, en même temps, c'est plus vieux que moi. Hein. En même temps, c'est plus vieux que moi, Zelda 2. Hein. Il est sorti en. Ah non, il est sorti en 87. Donc City, il est plus jeune que moi le jeu. Boom. Hop, optimisation, transformation en fait, hop, tac. Suicide Simulator 2017, ah bah c'est un peu ça Zelda 2, c'est du challenge jusqu'au bout quoi, c'est... Si on y va, on y va. Il faudrait qu'on atteigne les 1200 d'expérience parce que comme ça on pourrait. Tout à l'heure. On pourrait avoir un petit peu de PV en plus. Ça pourrait être cool. Allez, je vais bouffer, j'espère que tu l'auras tué à mon retour. On arrive pas à Total Osmose. Je pense que là on est sur du. Sur 10 heures avant de tuer le boss, je pense. Non, on va peut-être avoir un gros coup de bol, on sait jamais. Allez go, le jeu. Ce truc là en premier. J'en suis fait toucher une fois. Ça va. Pas trop fait toucher. Boum. Un jeu à deux boutons qui peut être aussi dur, c'est assez rigolo. Merci. Oh non, mais c'est une catastrophe, Iker, c'est une catastrophe, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oh.
peux sauter au-dessus de la flamme, je suis pas sûr. Merde. Putain, le con, quand même. Sur un malentendu, ça peut passer exactement totalement aux choses. Mais il y en a qui sont optimistes pour moi. Il y en a qui ont raison, quoi. Qui sont, qui savent très bien que je suis un PGM de base et que je ne peux que y arriver. Raté. Boum, on est à 343 sur 1200. On est quand même loin encore des 1200 pour avoir la vie un petit peu de vie supplémentaire. Oh non, Iker, arrête de te baisser quand il met un coup en haut. J'espère que Nier Automata sort ce soir. Allez. Il me casse les couilles, ce truc. Ah bah j'aurais pas dû le dire, désolé, je l'ai vexé. Je l'ai vexé le petit truc. Boum, ça passe. Ouais, sauf qu'on va aller tuer le chevalier parce qu'il me faut de l'XP. Boum. Putain. C'était hoche. Non, mais on est bloqué là. Recommençons. Sur Steam, ah, je connais pas. Je ne connais pas les jeux auxquels tu parles. Désolé. Bon, en même temps, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup l'actu des jeux vidéo. Mon jeu préféré reste Zelda 2. Et mon jeu auquel je joue le plus, c'est Smite. Donc, ça commence à dater un peu. Est-ce qu'on peut passer sans... Oh, ça me casse les bonbons. Merci à Aristos pour nous hoster. Pour nous hoster, c'est gentil. Oh, mais laisse-moi tranquille. Ouais, on va faire la technique du feignant. Ouais, bah on a bien fait. Hop. Tac. Allez, on va tuer le chevalier là. Enfin, le squelette, pardon. Dommage, pas de mana, mais de l'XP. On est à la moitié du chemin. La moitié du chemin parcouru. Non, faut aller de l'autre côté. Je pense pas qu'on aura 1200 avant d'arriver. Même si on tue tout. On sera pas loin. Aïe. Boum! Ouais! Yes! C'est ça qu'on veut! C'est ça! C'est une potion rouge! On en veut tout le temps! Donnez-nous-en à chaque level et on va jusqu'au boss. Le boss, faudrait qu'il en pop à chaque fois que je le touche. Merde. Ouais, tu m'as saoulé. Voilà. Allez, il reste 3 chevaliers à buter. Ah, on peut pas atteindre les 1200. Aïe, on peut pas atteindre les 1200, c'est impossible. Donc on va pas les tuer, les chevaliers. Il faudrait tuer plus de trucs dans le donjon pour... dans le palais pour y arriver. Ouais, bah il a déjà que je rejoue au jeu. Hein. J'y ai pas joué depuis que quand j'étais tout petit. Voilà. Parce que ça donne quoi? Ça donne 200 le chevalier, donc on monterait à 195, plus le chevalier ici encore 100. Et là on est directement au boss, donc non, on ne peut pas avoir ces 1200 d'XP. C'est ballon. Et c'est parti. Yes! Yes. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver à ce boss, c'est le boss. Allez, viens, je t'attends. Voilà, c'est raté.
Viens, 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 viens. Qu'est-ce que tu vas faire? 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 Voilà. Il lui faut encore deux coups, il lui faut encore deux coups, il lui faut encore deux coups. Raté. Il faut toujours deux coups, il faut toujours deux coups. Là, je le vois pas pendant un court moment. C'est bon, je le vois. Je le vois, mais ça m'empêche pas de me faire toucher. Oh putain, c'est con quand même, hein. Perdre autant de PV là-dessus. Tellement galère d'aller à son corps à corps déjà de base, c'est tellement dur d'aller au corps à corps de cette créature, de ce boss, c'est impossible, impossible. Putain, quand je pense que j'ai réussi quand j'étais petit, je sais pas comment j'ai pu avoir cette patience là. J'y arriverai plus, c'est pas possible. Il est trop dur ce truc, limite il est plus dur que le boss final. Ah si, c'est pour ça au début quand tu commences tu fais... Ouais, mais en fait, Icar, il gère tellement, est trop facile ce boss, ouais. C'est ça, ouais. Le mec, il est nul à chier, à cheval. Déjà, voilà. Easy baby. Hey, les attaques sur lui, ça ne marche pas. Faut que j'arrête d'essayer d'attaquer quand il lance ses épées. Et faut que je me serve juste du moment où il en a pas lancé. Mais c'est tellement court les moments où il en lance pas. Ouais bah j'ai gagné en fait hein. Tu veux plus venir? J'ai gagné? Non? C'est pas comme ça qu'on gagne le boss. Non mais arrête de te foutre de ma gueule, je vois. Merde! Oh. J'ai été full vie, full mana, j'ai oublié d'utiliser les pouvoirs. Oh la fatigue! Si tu sens que ça me fatigue nerveusement, j'ai même pas eu l'idée d'utiliser ma mana quoi. Allez go! On repart. On va finir par y arriver hein. Ça prendra le temps que ça faut! Ça prendra le temps qu'il faut plutôt à Icar parler à France de mieux en mieux. Boom. Ah ça passe pas. Bon après on les one shot ces trucs là depuis qu'on a fait le petit 2000 d'XP qui a upgrade notre épée au rang 5. Et boum. Et boum. Ah de l'XP. Ouais 50. On peut essayer d'avoir la vie en plus, hein, on va essayer. On va peut-être essayer d'avoir la vie en plus. Ça nous aidera un petit peu pour le boss. Un petit peu de vie en plus avec les 1200 d'XP. Aïe. Ah non, les 1200, c'est pas la mana plutôt. Oh là là. Putain. Icar, le mec qui crève sur des bestioles, nul à chier. Salut Boomerang, au revoir. Okay. Icar, Icar va-t-il y arriver à passer ce boss de merde? Oh non. Voilà. Oh, je voulais que ça soit une mana rouge. Bon, c'est une mana bleue. Tant pis. C'est parti. La musique du son du jeu te rend dingue. Ah, mais comme c'est étonnant. Et à cette époque-là, ils pouvaient pas faire autrement. Hein. Oh putain, c'était skillé ça, Icar! Oh là là, on n'a pas perdu des PV sur un truc qui est débile! Pas du tout.
perdu des PV sur un truc qui est débile, hein, pas du tout. On pouvait pas esquiver en s'arrêtant 2 secondes. Boum. Avec de la patience, on peut tout faire. Mais je ne suis pas patient. J'aurais pu me soigner, quel con. J'aurais pu me soigner, j'avais la mana pour. Quel con. Avec la patience, on peut tout faire, je répète. Hein. Avec la patience. Hein. Et sauf que quand tu crées un trou et qu'il tombe pas dedans... Allons, deuxième chevalier, tuons-le, récupérons. Tu ne vaincras pas, il ne peut en rester qu'un. Et ce sera le chevalier bleu. Oh. Il faut de l'XP. Hop. Ce qui va être déprimant, c'est en ayant un bloc de V et un petit peu de PV en plus. C'est que quand on va soigner, on va avoir l'impression de soigner que dalle. Donc c'est... ça qui est dur. Boum. Non, ça passe pas. Et là, ça passe. Ça passe pas. Bon, bah alors arrête de te foutre de ma gueule le jeu. Hop. On te brain. On te brain le jeu quand tu nous casses tes couilles. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On est à la moitié, mais... pas si ça suffira. Allez. Comme ton frère, tu rends l'âme. Voilà, hop. Attaque. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on n'aura pas les 1200. Ça joue vraiment à rien, je crois. Je pense qu'on peut attendre 1100. On a 820, donc ça va faire 900, 1020. Non, ça joue à rien, je pense qu'on va aller chercher de l'XP. Hein. On va aller tout tuer là. Et si on arrive à tout tuer? Ah bah, j'aime bien quand vous me vous laissez comme ça faire. C'est gentil. 920. Trois ans pour sortir de ce trou. C'est bon. Allez go, allons tuer le chevalier bleu. Ça va nous entraîner. Oh putain, on va toucher 4 fois. Si le boss pouvait passer comme ça une fois, plus une fois. C'est ballot! C'est ballot, on était bien parti. En plus, l'attaque passe à travers le mur. Tu m'avais expliqué comment c'est la loi de la physique, là, s'il vous plaît, le jeu? Putain, il en reste tellement d'épées. Allez, lâche ma jambe. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Il faut mourir au bout d'un moment. Hein. Faut accepter, hein. À un moment, on est obligé de mourir, c'est la vie. Sinon, la vie serait sans intérêt. Enfin, sans intérêt. L'intérêt, c'est de mourir, je sais pas. Hop, allez. Allez, voilà.
150. Et regardez, on va atteindre... le jeu me troll jusqu'au bout puisque nous allons atteindre la modique somme de Madame Chambier, 1170 à 30 d'XP de gagner un petit peu de PV. Hein, voilà. Le jeu me troll jusqu'au bout, hein, bien sûr. Bien sûr. Ah, le jeu se fout bien de ma gueule quand même, hein. Je pense pas qu'il pourrait se foutre de ma gueule un peu, encore un peu. Un peu plus. Bon, je file, Iker, courage. Merci, MJK d'être passé. Ouais, yes! Réussir un saut, c'est ça, le plaisir de Zelda 2. Ah d'accord, Ouka. Bah moi aussi, de toute façon j'écoute pratiquement que ça. C'est par là. Non, il nous faut de l'XP les gens. Pas de la merde. Ah voilà. Ah oh, c'est que pour la mana. Il faut 1500. Bah on cancel et on monte jusqu'à 1500. Il manque 230. Par là, oh, par là c'est un véritable cauchemar, on va pas faire l'XP par là. Hein. Allez, il nous faut croiser encore quelques trucs et ça peut passer. Il faut pas mourir surtout. Là, ça va être à coup de 5 XP. Aïe. Un coup de 5 XP, ça peut aller vite. Hein. Merde, oui, mais faut pas crever par contre, Ika. J'ai dit, faut pas crever. C'est ouf, ça, ces jeunes streamers là. On part dans l'autre côté? Ouais, ça suffira pas. Le jeu me troll jusqu'au bout, faut que j'aille par là, faut que je tue lui. Ça me permet d'aller par là. On a 2 HP. Ça va pas suffire celui-là. Une fois. Toucher deux fois. Le jeu qui rend pas du tout fou, voilà. Merci. Paf, tac, blague de merde, hop. Et on enchaîne, boum, par là. Voilà. Et boum. Eh oui, mais c'est ça Zelda 2. Malak il a raison, c'est un peu cheaté de sauvegarder juste devant le boss. En plus j'arrive plus à sauvegarder dans le jeu, donc on est mal barré. Oh non. Hop là, c'est parti. On peut sauvegarder là. Là sauvegardons là, fichier. C'est où redémarrer, pause, sauvegarder, restaurer, sauvegarder, charger en pour, emplacement de sauvegarde. Si je mets l'emplacement de sauvegarde ici. Ça fait quoi hein? Sauvegarder sous plutôt. Sauvegarder sous. On appelle ça truc. Peut-être que ça va marcher. On verra. Comme ça, si on meurt, on recommencera là, au cas. Ce sera déjà un gain de temps. Parce que là, on est à 3 vies. On a pas beaucoup de mana, mais on est quasiment full life. On s'est quasiment pas fait toucher. C'est bien. Voilà, par contre, c'est plus du tout la même histoire.
Et là, un bloc plus tard, on a déjà perdu la moitié de nos PV. Boum. On a assez de mana pour nous soigner, on soigne. Ouf. Merci, merci. Merci les étoiles. Boum. Pas trop perdu de PV du tout sur ce monstre là. Bon. Et on va aller tuer l'autre. Boum. C'est risqué quoi. Mais c'est pas possible, non, ça marche là. Il faut plus d'élan. Yes. Bien fait de te tuer. Merci pour le follow de Canois. Salut Canois. J'espère que tu vas bien. Hop. Et on va aller, bien évidemment, de l'autre côté. Mais je crois pas qu'on puisse le faire en asso. Ouais, non, on peut pas. Je crois qu'on peut faire ça. Ah bah non, j'ai pas assez de mana. Il nous faudrait de la mana. Oh, on a pas de mana. Faudrait qu'on aille tuer le chevalier qui est tout à droite là-bas. Un chevalier rouge en plus, qui est facile. On va essayer de refaire tout le château pour essayer de passer le level en vie. Ça pourrait être intéressant. Allez, 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 allez! Tu es plus fort que moi au niveau dodge, hein. Je t'adore, tu es super. Merci Christopher 77480. Je suis nul à chier à Zelda 2, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est de s'amuser dans la vie. Ah, ah, ah. Vas-y, vas-y. Le but c'est pas de te faire tomber dans le vide. Reviens, reviens, reviens. Allez, le dernier coup, le coup de grâce, le cinquième. Le quatrième, pardon. Le troisième. Il faut trois coups pour les rouges. Yes, de l'XP. 200, yeah. C'est ce qu'on voulait, ce qu'on voulait, par-dessus tout, tout. Ce qu'on voulait, c'était pas tomber et on a failli. Merci, 100 PV, 100 trucs de plus. Allez, le chevalier bleu, ça venait longtemps. Merde, j'ai trop avancé. Ça prépare le boss donc. Le problème, c'est que s'il s'approche trop de moi, je prends un paire de un tick de dégâts. Donc. Allez, allez, meurs, meurs, meurs. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On a 1069 sur 2200. Je pense qu'on a, on a suffisamment après. Oh non, mais laisse-moi l'XP, s'il te plaît. Non, mais laisse-moi, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Voilà. Laisse-moi te donner le coup de grâce. Sois gentil.
Bon, 2 d'XP, hein, c'est pas ouf. Mais bon. Allez, Kier, faut pas mourir, faut pas mourir. Pire, c'est qu'on va bientôt avoir l'XP pour passer le truc des de la mana, mais on, si on veut la mana, on survit pas, mais nous on veut les PV, donc. Après, il y a la sagesse. La sagesse voudrait que on prenne la mana pour qu'au prochain run, quand on sera mort. Le problème, c'est que si on... Le problème de prendre un point de sauvegarde, ou cas aussi, c'est que... Si tu prends un point de sauvegarde, bah tu récupères pas tout ce que toute l'XP que tu as fait sur ce run. Alors que si je level up un sort, enfin une catégorie, bah ça la garde pour le prochain run. Donc on va up, et finalement on reviendra même, tant pis. Allez. Si je suis à full life au niveau du boss, je sauvegarde. On va pas le tuer. Hein. Voilà. Boum. On repart de l'autre côté, le chevalier bleu. Nous emmerde pas. Nous, on reste entre chevalier de la belle couleur, le rouge. Allez, encore un coup. Un coup, voilà, c'est ça qu'on veut. On est devant le boss, on est quasiment full life. On s'est fait toucher qu'une fois, ça retire tellement de PV ce truc. On est devant le boss. On peut faire un petit bouclier. Voilà. Et ensuite, on sauvegarde. Fichier sauvegardé. Sauvegarder sous. Bon, arrête de put OBS. Je. Save. Et c'est parti. Merde. On va aller plus vite. Voilà. Une touche. Merde, fallait pas se retourner. On va soigner déjà. Mais c'est pas vrai, je me suis baissé. Je me saute de ma gueule en plus. Putain. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Ah, on a fait une touche. On est à 3 touches. On est à 3 touches, les gens. C'est pas mal. On a jamais fait mieux, je crois. Concentration. Ah, on peut plus toucher. Merde. Oh non, on se fait toucher trop connement comme ça. Pas bien, ça, Ikea. Super dur. Qu'est-ce que c'est dur. Allez, courage. Raté. Allez, fichier. Chargé à partir de... OBS, est-ce que ça va marcher. Je... Save. C'est parti, en boucle, les gars. On peut le faire. On est un vainqueur. On n'est pas invaincu. On est trop fort. Allez, on tryhard. Voilà, il est tombé de son cheval. On l'a déjà touché une fois. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, encore une touche. Encore une touche, voilà.
Merde. Encore une touche, plus que deux. C'est dur, c'est dur. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Ah, deux touches près, putain de merde. Allez. À deux touches près, putain. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. En fait, le truc infâme dans le jeu, c'est que si tu pouvais sauvegarder quand t'étais petit, c'était quand même sacrément pété d'avoir mana vie infinie. Parce que quand ta vie infinie, tu t'habitues au pattern. Là, t'as tellement de chemin à te retaper que tu te complètement, tu te, t'oublies complètement le pattern et puis t'y arrives plus en fait. Faut essayer de le faire rester sur la map là, le chevalier. Comme ça, tu peux enchaîner beaucoup plus vite. Je pense que les mecs font comme ça. Ah là, je peux pas. Il faut qu'il y ait un petit peu de place derrière lui. Voilà, comme ça. Ah merde, je vois pas. J'ai pas vu sa première attaque. Ah, c'est dur, hein. Il lance tellement des trucs. Pour s'arriver à côté de lui, c'est... Pas mal. Ouais. Ah, il s'est laissé toucher deux fois. Faut que je me soigne. Une touche, les gars. Oui! 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 Yes. Bon, il a été un peu gentil avec nous, le boss là. Il a été un peu gentil avec nous, le boss. Et boum, le cœur magique. Et voilà, et on voit même pas qu'il y avait un château, il y avait un palais avant. Et boum, qu'est-ce que tu vas faire? On aurait eu le temps de faire le château en 2 heures, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Je rappelle que le jeu, les speedrunners le terminent en 1h30. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste une petite... Ah, ils font repop le truc. Je sais pas. Tac, tac, hop. Boum. Boum. Doum. Doum, 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 doum. Doum, 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 doum. Allez, let's go. On y va, on y va. Et c'est parti, vous êtes prêts à découvrir un nouveau monde? Hein? Ah oui, c'est parce que j'étais sur la croix. Je n'étais pas dans une zone safe. Ah, d'accord. Intéressant. Oh, ça c'est pas bien grave. En tout cas, merci, Uka, pour le soutien psychologique. Hop. Ego. C'est parti. C'est pas ça que je voulais faire. C'est... Ah oui, c'est cliquer sur le jeu parce que là je ne peux pas jouer. Voilà. Tac. On va se soigner un peu ou on s'en fout. Ouais, hop là. Merci. On va se soigner un peu quand même. Histoire qu'on soit full life. Ce sera plus facile. Et le radeau magique, ouais. Yes, le radeau magique. Dire qu'on n'était pas obligé de tuer le boss.
Oh putain. Wouah, je m'en rappelle trop plus de ces boss là. Oh lolo, attention. Ah ouais, là on est dans une autre partie du jeu là. Je me rappelle plus. On peut bien évidemment taper les yeux que quand ils sont ouverts. Ça, ça fait faire des cauchemars. Hein. T'as que dire que j'y jouais à 6-7 ans. Fallait être fou quoi. Une zone safe, une zone safe, une zone safe s'il vous plaît. Merci. Le village. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce village? S'il vous plaît, sauvez la ville. Ça fait un peu peur. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Monsieur Dupont, un sondage, s'il vous plaît. Avec des bottes, j'irai sur l'eau. Ah, on veut faire Jésus. On veut faire Jésus. Il nous faut des bottes pour aller sur la flotte. Bon, ça, c'est de la mana, donc on s'en bat les steaks. Puisqu'on est full. Ici, c'est quoi? Ici, c'est une dame. Moi, thirsty. Tu veux un peu d'eau? Tu veux un peu d'eau? Ah, on a de l'eau pour l'autre là? Parce que thirsty, ça veut dire à la soif, non? Tu as l'eau? Viens chez moi. Putain, mon anglais de CM2 là, génial. Ouh, mon niveau d'anglais de CM2 me sauve. Ah, je suis content. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, on a connu plus compliqué. Hein. On a connu plus compliqué hein, pour aller jusqu'à l'ancien. Ce sort va faire cracher le feu à ton épée. On teste. Je suis sorti du jeu. On teste. Oh. Ouah, je m'en rappelais trop pas. Ouah, je m'en rappelais trop pas. Trop marrant. Ah, on l'a plus, là. Et, on l'a que pour un bloc, c'est ça qui est bon. Ah, on va pas l'utiliser à chaque fois, quoi. Salut, Gaufrette. Saute dans un trou dans le palais. Saute dans un trou dans le palais. C'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Dans un palais, il y a un vide et il faut sauter dedans. You care, you chat. Et toi, tu me dis quoi? S'il vous plaît, sauvez la ville. Toi, tu dis quoi? Vois un homme de Darunia avant l'île. Les diables mangent les petits garçons. Non, les diables mangent les faibles. D'accord. Bah, je suis pas faible, moi. Je suis Link. Je suis pas faible, moi. Ok, il y a un truc à faire avec ce truc. Mais alors quoi? Bonne question. Ici, là, ça s'ouvre pas. Bienvenue à Naburu. C'est tout, c'est tout. C'est tout les gens. Allez, on va par là. Oh, faut esquiver les trucs parce qu'on est mal barré si on se fait toucher. Ouais, il y a ces trucs là, je sais plus comment ça se tue. Donc on va pas les tuer. Voilà. Je sais plus du tout comment ça se tue. Est-ce qu'il y a un truc par là? Non. Putain, chaud quoi. Saute, saute. Putain, c'est chaud. Ouah, c'est chaud. Ouah. Ouah, ouais, il y a ça, c'est vrai. Oh là 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 là. Putain, mais il est pas fini le jeu en fait. Hein. Ça y est, je commence à me souvenir. Il est pas fini le jeu. Il y a ces trucs là, là. Mais je crois pas qu'on ait le pouvoir encore. Non. Oh, de la vie, 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 de la vie. Yes! Donc on peut casser là, on peut aller là. On sait pas trop, hein. Oh, mais comment on true ces trucs-là? Avec le pouvoir de feu, peut-être?
Bon, bah, on va pas les tuer, hein. Tant qu'on peut éviter, on va pas les tuer. What the fuck, quoi. C'est quoi ce bidule, quoi. S'il vous plaît, soyez gentil, me faites une créature simple à buter. Et là, y a rien, quoi. Ah, c'est vrai, c'est quand ils ouvrent les yeux. T'ouvres les yeux quand? Là. Le pattern, c'est qu'il lance quoi? Deux boules? Ouais, deux boules. Trois boules? Ah oui, carrément. Quatre boules? Cinq boules? Je vais la... Et t'ouvres les yeux quand? Jamais. Oh, il est content. Ah, tout ça pour ça. 500 d'XP quand même. 500 d'XP quand même. Quand même. Alors, bientôt fini le Zelda. Salut Gofret. Ah, pas du tout. Non, je pense pas là. Reste encore un petit peu de temps. Reste encore un petit peu de temps. Il faut encore trouver au moins une relique ou deux avant d'aller dans le. Non, mais c'est ça, se tue comment ce truc? Ils ont un œil. Ils ont un œil. Il y a un moment, ils ouvrent. Mais bon, je vais beau taper quand l'œil a l'air d'être ouvert. Ouvert, pardon. Ça marche pas. Hein. Alors, faut peut-être utiliser le pouvoir du feu. Ouais. Ouais, ça aide. Hein. Ça aide, mais faut les tuer combien de fois? 50-50! Oh putain! Ah. Ah ouais, faut pexer un max, quoi! Ah ouais, faut pexer un max, en fait. En fait, faut pexer, quoi. C'est ça, faut pexer. Ouais, attention à pas crever non plus. Ouais. C'est pas grave. On revient vite, là, quand même. On revient très très vite. C'est Gofret, on vient juste faire le château où on était rendu hier. Donc, on n'est pas allé très très loin, mais on avance petit à petit, on avance, on y croit bien évidemment. Tout le monde, il y a les pop-up girls, il y a Uka qui est là, qui danse, qui est là pour soutenir la Orstizi. On essaye de finir Zelda 2. C'est pas facile. Alors bien sûr qu'il y a sans doute un truc là-dedans dans cette forêt. Laisse pas de jambe. On va XP, on XP. Ça donne 50 quand même. Hein. Ouais, sauf que c'est tellement relou que... Ça donne 50 quand même, hein. On va rester un peu. Il y en a d'autres, non? Non, il n'y en a pas d'autres. Je suis sûr qu'il y a un truc dans cette forêt, mais alors, mais où hein? Ça, déjà, c'est un peu plus swap sans les... Et ça donne 20. Ça va, on a beaucoup de dégâts à l'épée, ce qui fait qu'on les tue en deux fois. Merde. Mais ouvre les yeux à un moment, quoi. Arrête de foutre de ma gueule, le jeu, le truc. Sûr qu'il y a un truc là, non? Ouais. Bon, ça sert à rien, en fait. Génial tout... En fait, j'ai perdu tous mes PV pour aller dans un truc qui... Putain, je peux peut-être descendre plus bas. Non, y'a rien. Essayer de voir s'il y a un autre truc là. Je pense pas. Je pense qu'il y a rien. Le feu! Soyez purifiés par le feu! Boom. Ça fait beaucoup d'XP, mais on perd aussi beaucoup de vie. Qui a dit que c'était Zelda qui avait... Enfin, Final Fantasy qui avait... qui avait inventé le farm. Et bah apparemment non, hein. 987, il y avait déjà... Alors, je sais plus de quand il date le premier, tout premier Final Fantasy sur Nintendo. Je pense qu'il est plus tard que Zelda 2. Je suis pas sûr. Ça doit pas être de beaucoup, hein. Allons voir la reine de la magie. Et il est bientôt 13h50. Nous allons devoir arrêter ce petit stream de Zelda 2. Et après, je vais sans doute faire une pause d'environ 10-15 minutes. Et je reviendrai sur la Sudafrique TV pour faire du paladin, je crois. Oui, c'est ça. Faut soigner, Ika. Ça peut aider. Elle en peut plus, elle veut plus sortir. Si, c'est bon.
Mais j'en peux plus, moi, de te redonner ma mana, là, j'en peux plus. Putain, tu me fais chier, quoi. Voilà. Si je venais à danser en pom-pom girl, je t'éclipserais, Iker. C'est pas rentable, je suis tellement bonne que Couture et petite tenue à côté, c'est un boudin. Ah, c'est marcher sur l'eau, vous avez compris. Marcher sur l'eau. Donc là, il y a une grotte par là. Et il y a un autre truc par là. Non, il n'y avait pas d'autre truc par là. Donc on est obligé d'aller par là. Ah, on les retrouve ces trucs. Ah, oh, bah on les tue. On les one shot maintenant, d'accord. On les tue en 3 coups avant. Ah, c'est plus simple quand on les one shot. On s'en fout. Yes! Une toute nouvelle zone à explorer. Génial! Pour les par où, voilà. Wow, on a fait du chemin. Oh, c'est une zone trop dure, ça, pour moi, je crois. Est-ce que ça se tue facilement? Ouais, non. Est-ce que ça se bloque, le coup, là? Ouais. Calmez-vous. Tu sais, c'est les zones où tu crèves à chaque centimètre, quoi. Merci. Ça va, c'est pas une zone dure. Ah, ça saute, ces trucs. Ah, ça saute. Je me rappelle plus. On a connu les rouges, rappelez-vous, mais on n'a pas connu les bleus encore. Et c'est vrai, mais c'est vrai, la couleur rouge, normalement, ils sont statiques. Et la couleur bleue, ils sautent. Ah, ils sont malins chez Zelda, enfin chez Nintendo. Ah là, par contre, il y a les petites bulles. Là, il y a les petites bulles en loup. Tu t'en prends une, tu crèves. Non, tu t'en prends une, tu peux tomber dans le vide, donc faut faire attention. Ah, de la mana. On est content à pouvoir se re-soigner. Oh, le coup en l'air, il est resté en l'air, on l'a fini. Non mais on aurait dit un finisher dans Mortal Kombat. Un autre village. Ah, c'est ça qu'il a dit. Allez à Danonia, machin, truc bidule. C'est pour ça qu'il faut parler aux gens dans Zelda 2. On comprend jamais ce qu'ils veulent dire. Ville de montagne de Daru. Il manque le A. Bon, le jeu nous brain. Bien sûr, mais c'était ça qu'il nous disait. S'il vous plaît, sauvez la ville. On peut parler au mur ou à la table peut-être. On peut pas parler au mur, on peut pas parler à la table. Oui, j'ai l'air d'être un débile mental, mais dans Zelda 2, on peut parler au mur et on peut parler à la table. Restore un moment. Moi j'ai peur parce qu'ils normalement ils sont censés tous se transformer en merde. Non, ils se transforment pas tous en merde. La mana, on s'en fout. Elle dit quoi elle alors? Les diables. Aïs, les héros, les machins. Le palais a un faux mur. D'accord. Je ne t'aime pas. Ouais, peut-être. Bon, on peut rien faire de plus dans ce village. Il y a une porte qui s'ouvre là. Ouais, c'est pour l'ancien. Il faut faire quoi ici? Sauve l'enfant kidnappé sur l'île. Un grand chevalier habite la ville. Ah, un grand chevalier habite la ville. D'accord. Donc ça signifie qu'il y a un autre pouvoir à récupérer ici. Pour Arsa, il faut sauver le petit. Vous allez me dire, mais c'est relou parce que autour du village, il n'y a pas une zone safe. Eh ben non, c'est le premier village où il n'y a pas de zone safe. Et en gros, à chaque fois que tu veux retourner au village, t'es obligé de te retaper ça. Oui, merci, oui, c'est trop bien, ouais, génial, trop bien, oui, ah oh, oui, oh là, oui, c'est bien, oh là. Et oui, il y en a deux, et oui, parce que un, ça aurait pas été suffisant, il en fallait deux. Voilà. Le jeu se fout pas de ma gueule, pas du tout. Ah, de la mana. On prend, même si ça suffira pas pour nous soigner. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire ici? À part prendre la vie comme ça. Et boum. Ah, il y a d'autres côtés aussi. Non, lâche ma jambe. Hop, aïe. Boum. Faut aller où? Oh putain, c'est immense quoi. Heureusement, on a eu encore de la chance. J'allais dire encore de la chance, mais trop pas. Hop.
Ah, il y a un radeau là. Ah oui. Ah oui, vous allez me dire, mais non, en fait, Iker, ça va être trop facile. T'es dans une zone safe et tu vas traverser tout le truc. Ouais, non, non, non. Bon, bah voilà. On va sauvegarder. J'espère que vous aurez apprécié ce petit stream sur la Orcs TV. On se retrouve, nous, sur la Orcs TV sans doute la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui veulent me voir jouer à mes jeux principaux qui sont Smite, Aladdin et Spite Tactics, n'hésitez pas à passer sur la Iker TV. Je vais sauvegarder, bien sûr. N'oublions pas de sauvegarder. Alors, on sauvegarde et on rend l'antenne pour le. Pour. On rend l'antenne, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop, on sauvegarde. Fichier, on va dans bien évidemment la partie sauvegarde, save. Et on appelle ça dernière save. Dernière save. Enregistré, c'est parti! Et après moi, il y aura Tarte Echo Albion. Voilà, donc Albion Online, le nouveau jeu qui est sorti cette semaine. N'hésitez pas à checker. Et puis pour ce qui est de moi, on se retrouve dans pas très très longtemps sur Mati. Allez, merci encore à vous d'avoir regardé ce stream de Retro Gaming. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !